matin et on est présentement au parc national de la Pointe-Taillon dans une tente Utopia. C'est vraiment cool. On se rend au parc, puis après ça, on se rend en vélo. On avait 3,5 km à faire dans des... on avait des petits chariots pour traîner notre matériel. Je vais vous dire qu'il a fallu qu'on fasse quelques voyages avec tout ce que Carl avait amené de matériel. On a vraiment bien dormi. Là, vous allez pouvoir voir des images. Hier, on n'a pas eu le temps d'en prendre parce que notre journée était trop chargée. Mais là, on va faire ça ce matin. Moi, j'ai fait une petite erreur, par exemple. L'hébergement est vraiment confortable. C'est vraiment super. Mais il faut amener ses couvertures. Et moi, j'avais compris qu'il fallait amener sa literie. Donc, j'ai amené des draps. Merci à Carl qui avait amené un slip supplémentaire parce que sinon, je pense que j'aurais pas dormi. Fait que je vous laisse sur les images. On manque un petit peu d'organisation ici, fait qu'on n'a pas vérifié les heures d'ouverture, puis on est présentement en basse saison, fait qu'on n'a pas pu faire du kayak comme prévu. Mais finalement, le parc national de la Pointe-Taillon nous a proposé une autre activité. Fait que merci de nous accueillir un peu comme ça sur le fly. Ça me fait plaisir. Dans le fond, moi, je m'appelle Joannie, je suis garde de parc naturaliste. Puis ici, ben, on propose plusieurs types d'activités là, pour faire découvrir le parc et les éléments, là, comme par exemple la faune, la flore, les éléments aussi géologiques. Puis en fait, l'activité aujourd'hui, c'est une plage, un lac des origines qui explique ben, d'où vient le sable, comment la Pointe-Taillon s'est formée, puis aussi ben, qu'est-ce que c'est que les basses terres du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc tout ce qui est en vert pâle, c'est beaucoup plus creux que le rouge autour, qui sont bon, justement les Laurentides et les Monts-Valins. Donc, c'est cette espèce de cuvette-là qu'on appelle les basses terres du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, territoire plat, donc près de l'eau, beaucoup de milieux humides, une température plus chaude aussi que la grande forêt boréale qui nous entoure. Et d'ailleurs, si on regarde sur la carte du territoire de la Pointe-Taillon, on peut voir que, bien, en fait, premièrement, il y a une trentaine d'étangs en castor sur tout le tour. Donc, quand on disait beaucoup de milieux humides, étangs en castor, marais, marécages, mais aussi tout ce qui est en vert pâle. Donc, plus de 50 % du territoire, c'est de la tourbière. Si on enlève toute la végétation, par exemple, que sur la Pointe-Taillon, bien, en dessous, c'est que du sable. C'est une grosse pointe de sable. Puis je ne sais pas si pendant votre séjour, vous l'avez vu, vous avez remarqué, il y a différentes couleurs de sable, comme par exemple le sable rouge, noir, brunâtre, beige, même qu'il y a des endroits où il y a du sable presque blanc. Donc, c'est vraiment typique de la Pointe-Taillon. On n'en retrouve pas vraiment ailleurs autour du lac Saint-Jean, ou très peu. Par exemple, le sable rouge, c'est une pierre semi-précieuse qu'on appelle le grenat. Parfois, on fait des bijoux avec le grenat, mais c'est sous forme de sable, donc ça fait un sable rouge. Quand on regarde au microscope, là, par contre, on voit bien les petits cristaux translucides roses des petites pierres de grenat. Donc, c'est vraiment des petites roches de grenat en miniature là, qu'on a okay. Ici. Le sable noir, qui est très chaud pour les pieds en plein été au mois de juillet, là, ça brûle et qui est un peu brillant. Des fois, il va même donner un aspect un peu mauve quand il est mélangé au rouge. C'est de la magnétite. Donc, hein, ça le dit magnétite, magnétique. C'est un sable qui colle à l'aimant, donc c'est magnétique. C'est cool, OK! ça, avec les jeunes, là, avec un aimant sur la plage, là, ça pogne, ça fait la journée là, des enfants. C'est la vague qui trie naturellement tout le sable. Donc, il y a des endroits, comme je pense où vous étiez au migrateur là, dans les Utopias, où la plage est comme plus rouge. Il y a des endroits où c'est que noir. Donc, c'est vraiment trié naturellement par le vent et l'eau. J'ai une petite maquette ici qui démontre ce qu'on appelle
en fait, l'isostasie, qui est le phénomène, le poids du glacier qui enfonce le continent sous les niveaux de la mer. Donc, vous avez la pointe Taillon, donc on est juste ici, une partie du lac avec les montagnes, justement, de l'autre côté du lac. Et le poids du glacier, c'était tellement lourd que ça l'a enfoncé le continent à environ 150 mètres sous le niveau de la mer. Okay. Alors, on est resté là un bon 5000 ans, je dirais, sous la mer. Donc, toute la cuvette des Basse-Terre dont je vous parlais était sous la mer. Donc, vous avez le lac Saint-Jean actuel et l'ancienne mer de la Flamme qui occupait tout le territoire ici. Okay. Et c'est sous cette mer que la Pointe-Taillon s'est formée au final. Donc, je vous emmène vers mon autre bassin. Et là, on voit bien la mer, ça va déborder. vous voyez un petit peu la forme du lac Saint-Jean, donc tout est sous l'eau. Et à ce moment-là, il faut s'imaginer qu'au nord, il y a encore le glacier qui fond. Alors, ça fond, ça fait beaucoup d'eau. Ici, on retrouve la rivière Péribonka. La rivière Péribonka, elle passe juste au-dessus de la pointe Taillon, puis elle prend sa source à 500 km en haut, au nord. Donc, à l'époque, elle prenait sa source au glacier. Et pendant tout son parcours, la rivière va transporter le sable qui vient de la fonte du glacier. Puis encore aujourd'hui, on a des témoins, si on veut, du passé maritime, de cette ancienne mer-là. Juste les foins qu'on voit ici à côté ou même sur la dune derrière, c'est des... on l'appelle amophile à ligule courte, mais c'est une plante de bord de mer. On les voit quand on va aux îles de la Madeleine et du Prince-Édouard. Donc, ça vient ajouter un peu au look de bord de mer, là, que les gens ont l'impression d'arriver, « Ah, oh, on dirait ça, c'est la mer! » Mais... Et la fameuse Wananish, que les gens aiment beaucoup pêcher au lac Saint-Jean, c'est en fait carrément un saumon. Génétiquement, c'est le saumon de l'Atlantique qui a pu venir dans la région au moment de la mer. Et quand la mer s'est retirée, comme ça s'est fait très, très lentement, le saumon a pu s'adapter à vivre uniquement en eau douce. Puis on le retrouve encore aujourd'hui dans les eaux du lac. Oui, mais merci. Plaisir. On a passé si proche d'enfer. Mais hein, la température, c'est ça les vacances, on peut pas tout le temps tout contrôler. Puis là, j'aurais bien aimé ça me baigner, mais il fait beaucoup trop frette. Aucune chance que je mette un pied à l'eau aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois. On va prioriser les activités intérieures et ou bien habillées. Mais là, ça me réchauffe un peu de bouger. Hop! Je pense que j'ai plus l'âge, par exemple. Hey, Alex, mets-tu de la musique, s'il vous plaît? Oui. Attends, je regarde parmi ces traits. Qu'est-ce que tu penserais de Benji? Ben oui. Je connais le gars, mais je sais pas du tout ce qu'il fait. Là, c'est super bon, il vient juste de sortir son EP début juin. Donc, je te mets ça. Je vais te mettre la chanson Le bon petit gars. Cool. Un bon petit gars de bonne famille, sans bon jamais accueilli, toujours poli avec les filles. C'est pas du stylo, il va couler la bille. Bonjour madame, je peux vous aider. De la rue, vous faire traverser. T'inquiète monsieur, je suis contacté. Votre femme de presque rien à craindre de moi. La soirée est jeune, on n'est même pas pacté. Hey, la soirée est jeune, un six pack de pack, c'est plus c'est starté. Ça c'est là, arrête de filmer, on va manger. Tu veux pas que je pogne les nerfs, là. C'est vraiment le temps pour ma patience. Il est temps, car. Ça sent le testé, on devient ville. Les petites madames commencent à changer de vie. J'aime pas si j'aime pas l'air. J'ai pas vraiment de me tenir là. Mais c'est que la chaîne en question. Tu dirais à vous, j'ai le nom de Cro-Magnon. La soirée est jeune, on est un peu maté. La soirée est jeune. Bon, moi, vu que vous avez cancellé mon idée de pizza, on va me prendre un sous-marin pizza.
Pour dîner, tout le monde avait faim et donc c'est le temps qu'on s'arrête au plus vite avant que tout le monde perde patience. On était à Péribonka et le seul restaurant était fermé le mardi. Donc on s'est arrêté au dépanneur pour se faire un petit lunch. On est venu à la marina pour profiter du calme, regarder un petit peu les bateaux, puis en profiter pour se détendre puis pour rire un peu. Fait qu'on voit ici, c'est un repas santé, parfaitement équilibré. Viande, fromage, pain, légumes. J'ai des drumsticks! T'en auras pas! On va vérifier avec Claude si on peut avoir des drumsticks. On n'a pas dépassé le budget. Une chance, j'ai fait du vélo un matin. Dans la liche. Mmh. C'est bon, Carl? Hein? Pas de quoi tu parles. Parce qu'il filme juste moi, là, mais je vous garantis que les deux autres en mangent aussi. Moins de culpabilité. Attends, attends, je veux qu'on me voie dans la caméra! Allô! Bonjour. Donc, c'est quoi le but du musée Louis Aymon? En fait, nous, notre mission, c'est de préserver et transmettre aux générations futures la quête de Louis Aymon. C'est aussi de valoriser le territoire du pays de Marie-Anne-Chapdelaine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, c'est tout Lac-Saint-Jean. Parce que dans le roman, en fait, on parle de tout Lac-Saint-Jean, puis c'est un peu ça, dans le fond, le pays de Marie-Anne-Chapdelaine. C'est ce qu'on retrouve, ce qui est décrit dans le roman Marie-Anne-Chapdelaine. Mais qu'est-ce que la quête de Louis Aymon? La quête de Louis Aymon, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que Louis Aymon, c'est un écrivain, c'est un Français, c'est un aventurier. Et lui, il avait l'habitude d'aller à l'étranger pour justement s'inspirer, pour écrire ses histoires. Et par un hasard, d'une certaine manière, il est arrivé ici au printemps 1912 à Péribonka. Il n'a pas écrit son roman ici, c'est vraiment le matériel qu'il a amassé en regardant, en observant, en prenant des notes, en vivant aussi comme ces gens-là, donc en vivant avec la famille de Samuel Bédard et Laura Bouchard sur le lot où on se trouve. Pourquoi le musée a été fondé en 1938 ici où on se trouve? C'est que ça a été fondé dans la maison qui a inspiré justement le roman Marie-Anne-Chapdelaine. Parce qu'au final, c'est un roman fictif. Oui, exactement. Par contre, la force de l'écriture de Louis Aymon, ce qui fait que c'est... Ça a été un si grand succès à une époque où on ne consommait pas nécessairement les livres de la même manière qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ça sur notre tablette, notre téléphone, à la limite, tout est accessible rapidement. À l'époque, les livres, c'était relativement quand même un objet de luxe quand on parlait de fiction. C'est plutôt le journal qu'on achetait. Donc, tout ça, en fait, ce qui fait que ça a été si populaire, c'est parce que c'était très réaliste et très descriptif. Puis ça mettait en lumière vraiment une réalité. C'est le roman, en fait, qui a donné le coup d'envoi au courant littéraire du terroir. Vraiment, l'agriculturisme en littérature, il y avait quelques romans avant, mais c'est vraiment ça. Et c'était le premier best-seller au Québec. On parle de dizaines de millions d'exemplaires. Wow. C'est vraiment un succès majeur qui a mis le Lac-Saint-Jean puis Péribonka sur la carte du monde. Ici, vous avez de nombreux exemplaires en langue française, mais c'est sûr que quand on parle de best-seller, c'est que ça n'a pas été seulement lu en français, ça a été traduit dans plus de 20 langues et vraiment, ça a, comme je le dis, parcouru le monde entier, finalement. Ça a permis aux gens de découvrir, sans nécessairement avoir à vivre les conditions hivernales difficiles en 1910, donc dans la petite maison de colonisation typique où on n'avait pas l'électricité, pas l'eau... courante, puis d'isolation vraiment très, très forte. Est-ce que tu crois que tu aurais été capable de vivre moi, à cette époque-là? Moi, clairement pas. Je suis vraiment trop douillette, je vous confirme. Mais c'est la beauté de la chose, justement, ce que les gens ont apprécié de cette écriture-là. La campagne de financement est établie à 300 000 $. Je vous avouerai que ça va bien de ce côté-là. On a un partenaire majeur, Desjardins, qui contribue à hauteur de 150 000 $. On a dû aussi, en cours de route, vendre la bleuetière qui était derrière. On a légué ça. On avait des terrains ici à vendre, un terrain qu'on avait divisé en deux. Et
le musée lui-même, on est en discussion présentement avec des acheteurs, parce qu'on va déménager de l'endroit. Ça, ça va être le nouveau musée. Ça va être, c'est le nouvel, ce qu'on appelle le chantier touristique Péribonka, espace Péribonka. Ici, vous avez l'hôtel de ville qui va occuper les locaux arrière ici. Puis en haut, vous avez la bibliothèque municipale. OK. Voyez la vue qu'on aura sur la rivière wow. Péribonka. Hein? La rivière Péribonka, petit fait d'histoire, je suis un peu historien à temps partiel. La rivière Péribonka, le débit de l'eau, abreuve deux fois la population mondiale en 24 heures. C'est vrai? Hey, ouais. C'est fort! Ça veut dire qu'à toutes les journées, il passe 14-15 milliards de verres d'eau en face de la rivière. Donc, dans un premier temps, on a sauvé l'église patrimoniale qui était désacralisée depuis plus d'un an, en décembre de l'autre année. Donc, on conserve le bâtiment. Et c'est là que se retrouvera le nouvel établissement du musée Louis-Aymon. OK. Ici, vous avez une salle, en fait c'est un couloir de verre dans lequel il va y avoir différentes salles polyvalentes, multifonctions, etc. Et pourquoi en verre? Évidemment, c'est pour pouvoir encore voir la maison Samuel Bédard qui est classée. Okay. C'était une condition importante. C'est quoi cette maison-là? C'est la maison où l'écrivain a demeuré pendant un certain temps. Puis c'est là qu'il a commencé à écrire son roman. Ici, voyez-vous, là, quand je vous parle de la maison Samuel Bédard... Oui. Samuel Bédard, lequel a accueilli le Louis-Aymon en question, un écrivain breton. Et voilà, ça, c'est de la maison, c'est le garage attenant. L'espace commun qui fait le joint entre le nouveau bâtiment et l'église, c'est une salle qui sera polyvalente, qui va servir à probablement plusieurs usages. Il va y avoir une terrasse végétale en haut. On disait à la blague, mais c'est un fait. Il s'est vendu à un moment donné plus de romans de Maria Chapdelaine de Louis-Aymon qui s'est vendu de Bible. Ah oui? Oui. Wow! Parce que les gens ont découvert le pays de Québec, comme le disait Louis-Aymon, ont découvert le pays au nord du lac Saint-Jean. Je ne peux pas vous donner encore les dates parce que c'est tout en gestation. Il reste encore beaucoup de fils à attacher. Mais on a évidemment bien confiance de pouvoir ouvrir là, dans les prochaines années, voire les 18 ou 24 mois. Dans le fond, je vous mentionnais que Maria Chapdelaine, c'est un phénomène, en fait, culturel. C'est un phénomène économique aussi. À une époque, moi, je le compare facilement à Harry Potter. Là. À une autre époque, il y a énormément de produits dérivés qui se sont créés. Puis, puisque c'est ce qui nous a mis sur la carte du monde aussi, bien, il y a un sentiment identitaire qui s'est créé à cette histoire-là aussi. Donc, plein de choses qui portent le nom Maria Chapdelaine. C'est vraiment, on dit, une marque de commerce. On parle même de Maria Chapdelaine Inc. Okay. Comme vraiment une valeur ajoutée, en fait, à s'associer à ce produit culturel-là, à ce nom-là, parce que, dans le fond, si ça voyageait autant, bien, ça vous permet un peu de voyager aussi. C'est connu. Les gens se disent « Ah oui! » Le musée Maria Chapdelaine, en fait, c'est le plus ancien musée de la région du Saguenay-Saint-Jean. Ça a été fondé ici en 1938 parce que le phénomène était tellement important que dans les années 30, suite à la sortie de la première adaptation du film Maria Chapdelaine, qui avait été tournée par une équipe française, oui, avec des acteurs français, mais à Péribonka, il y a eu même des émeutes à Montréal. Il y a eu plus de 70 000 personnes qui sont allées voir le film. Imaginez, en 1934, quand même, c'était majeur. Puis, l'engouement est devenu vraiment très important. Et à cette époque-là, il y a une dame, en fait, qui était associée comme étant Maria Chapdelaine parce que, justement, le personnage était... L'histoire tellement réaliste, le personnage tellement réaliste qu'il y a un écrivain et journaliste, Damas Potvin, originaire de la région, qui avait annoncé durant une conférence qu'Eva Bouchard, la dame que vous avez ici, Eva, était Maria Chapdelaine. Et même si elle a refusé d'abord l'association pendant plusieurs années, éventuellement, elle a décidé de jouer le jeu et elle a incarné finalement de 1928 jusqu'à sa mort en 1949 le personnage. Et comme je vous disais, avec le film, c'est devenu tellement majeur que là, elle n'était pas en mesure de répondre aux demandes. Il y avait des gens des États-Unis, de la France, vraiment de partout, en fait, qui voulaient la voir puis qui voulaient voir la maison de Maria Chapdelaine. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a une société à Montréal qui a été fondée et qui a fondé le musée. Donc, mes impressions à la sortie, ça fait vraiment du bien à ma culture générale d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ma région. C'était vraiment intéressant, là, celle qui nous a fait la visite, là, elle connaissait l'histoire sur le bout de ses doigts. On est
est venu rejoindre mon nouvel ami à l'auberge Île du Repos. On va aller visiter les lieux. À un moment donné, j'ai eu du monde du Pakistan. Eux autres, là, ils ont pris 90 photos. J'ai passé une demi-heure à les photographier en tous les sens. Tu sais, fait que tu nous fais visiter ça? Oui, oui. Super! Ben, merci pour l'accueil, pour commencer. Ben, vous êtes bienvenus. On est là, nous autres, c'est notre spécialité, l'accueil. Vous êtes bons là-dedans? Oui, oui. Fait qu'on va commencer pour faire visiter l'entrée, la salle de spectacle, le restaurant et tout ça. C'est ça, parce que vous faites beaucoup de spectacles ici. Cet été, on a à peu près 40 spectacles. C'est, okay. C'est un retour à la normale. Bienvenue à l'aide du repos. Merci. Oh, wow! OK! Ça, c'est la salle montée à peu près en... Bien, là, pas monté spectacle COVID, là, mais à peu près en cinquantaine de places. Hé, hey, OK, je m'attendais pas à une salle comme ça, on dirait. Non, c'est vraiment... Là, on est en train de repeinturer la scène, là. C'est vraiment professionnel, là, super équipé, ben oui. Là. Je sais pas trop, une couple de 100 000 d'équipements, certains, là. Vraiment, tout en numérique. Projection, les écrans, le kit, là. C'est tellement apaisant. Oui, là, c'est super calme, mais mettons qu'il décide de turbiner, là, il peut avoir, d'un coup sec, il va avoir de la vague de 3 pieds, là. OK. Ça change rapidement, là. Oui, ça change rapidement, là, tu sais. Puis le printemps, bien, on s'entend pas parler parce que la rivière fait trop de bruit. OK. Hey, OK. Est-ce que tu vas nous présenter les hébergements? Oui, bien oui, je vais aller vous montrer ça. Vous avez sûrement vu notre moins magnifique troquet que d'habitude, là. Ah mais... oui, c'est vrai, ça aussi, les attraits. Oui, bien là, c'est ça, il y a les gens, des bénévoles qui ont commencé à l'entretenir, là, parce que là, l'hiver, ils se ramassent des feuilles dessus, puis ça fait de la matière organique. Oh. Là, on le gratte à surface, peut-être un quart de pouce, on enlève le matériel contaminé, puis on en met du neuf. Okay. Puis là, c'est tout recompacté. Mais là, le neuf, il est là? Non, il n'est pas okay, là. Le neuf, okay. Là, c'est blanc, 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 plus blanc que ça encore. Là. OK. Puis ça, on fait ça à chaque année, puis on doit faire 5 ou 6 entretiens dans l'été, là. Puis le monde aime ça? Ah oui, ça joue là, jusqu'à 5 heures du matin. C'est vrai? Ah oui, oui. Même les personnes qui n'ont jamais joué avant? Ben, on leur montre. Ah. Le feu central, c'est pas là qu'on fait le feu de la Saint-Jean. Ça, c'est le feu communautaire à chaque soir vers 8 heures. Tout le monde peut y aller. On a un employé qui allume le feu. Puis après ça, ben, c'est ça s'organise. Là, puis on fournit pas mal de bois. Là, OK. Ça, on en brûle beaucoup de bois. Mais ici, on a une île, là, ça paraît pas, mais on coupe une trentaine d'arbres à tous les ans. OK. C'est ça, en quelle année ça a été... Nous, on est arrivés ici en 72. Les gens d'une gang d'Allemands ont loué la place pour faire une auberge jeunesse. OK. À cette époque-là, t'avais pas une compagnie, là, tu faisais un projet, je pense que c'était Perspective jeunesse, quelque chose de même. Puis là, ben ça payait les salaires. Mm-hmm. Fait que là, ça payait la location. Fait qu'il avait loué la place pendant 2 étés. Au bout du 2e été, il y a quelqu'un qui a acheté la place pour faire son chalet. Il a acheté l'île. Puis là, fait que là, le monde, il a essayé ça un peu... Brassé. Fait que là, il a dit, hey, ça n'a pas de bon sens. On veut continuer à aller du repos, c'est le fun. Fait que là, ils ont créé une compagnie en 74 avec comme objectif de racheter l'île du repos puis de continuer l'auberge. Okay. Fait que, en 74, ils ont opéré l'auberge dans une école à Allemont. Ils ont ouvert une librairie coopérative. Mm-hmm. Ils ont décollé l'auberge des îles. Puis ils ont parti la compagnie, puis ils ont racheté la placette presque 3 fois le prix que le gars avait payé 6 mois précédents. C'est choquant. Oui, mais quand tu regardes aujourd'hui, c'était un bon dé, pareil. Là. Puis après ça, genre 2-3 ans après, on a racheté la deuxième île. À partir de 75, on a recommencé à réopérer ici. Puis là, c'était avec toutes les vieilles bâtisses. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça avait de l'air, les chalets, à l'époque. Là. On en a gardé un, en souvenir. Puis on l'a renippé un peu, là, mais je veux dire, c'est ce qu'on avait avant comme bâtiment d'hébergement. C'était des petits chalets comme ça. Ah, oh, mais c'est mignon! Oui, c'est mignon. On en avait 9 comme ça. OK. Dont un à côté du pont, sur une petite île. Il y a une petite île qui est à peu près... 100 mètres par 100 mètres, puis il y avait un petit pont, puis avec un petit chalet comme oh, ça. Wow. Là, tout le monde voulait la suite nuptiale. Mais oui. Sur l'île. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de toilette. Là, fait que, c'est ça. On avait 9 comme ça. Ben, il y en avait qui étaient des plus grands, puis c'était tous des dortoirs. OK.
On avait plein d'idées. Fait que là, on disait, on va s'installer des bâtisses de meilleure qualité, tu sais. Mm-hmm. Entre autres, des toilettes, puis de l'eau, puis, tu sais, des douches comme du monde. Puis... Fait que on a commencé par faire un creuser un puits, puis faire un réseau d'aqueduc, puis faire des systèmes de traitement des eaux usées. Puis après ça, bien, on a construit ces chalets-là. OK, wow! Fait que ça, c'est des pavillons. On a 6 pavillons comme ça. Il y a... Il y en a 4 ici, sur le long de la rivière. Qui est, il y a 4 chambres par chalet. Chaque chambre avec sa propre salle de bain, son entrée, petit frigo, petit micro-ondes. Fait que tu es à l'aise. Puis là, ben, il y a des tables de pique-nique à côté. Mm-hmm. Puis, bon. Avec la belle vue encore. Ouais. Là, je me suis pas baignée encore. Là. Ça fait un jour, deux jours qu'on est parti. Puis... Bien là, ici, c'est commencé. Le monde a se baigné. Oui? Ouais. Celui qui est derrière vous, là-bas, là, celui-là, c'est bon, là, à l'étage en bas, c'est ce qu'on appelle le chalet des artistes. Est-ce qu'on a des groupes de musiciens? Ils ont 3 chambres avec une salle de bain. Puis on les installe là. Mais aussi, quand on n'a pas d'artistes, c'est des chambres qu'on appelle semi-privées. Mm-hmm. C'est 3 chambres, tu partages une salle de bain. Fait que ça, il y a une clientèle pour ça aussi. Okay. Puis à l'étage, on a 2 chambres semi-privées aussi, puis un dortoir pour le monde à Paxac. Okay. Puis évidemment, mm-hmm. bien, on a un terrain de camping là, le long de la rivière. Tous les terrains mm-hmm. qui sont vraiment sur le bord de la rivière mm-hmm. sont réservés aux campeurs de passage. Okay. Les saisonniers ne peuvent pas s'installer sur le bord de l'eau. Mm-hmm. Puis être parti 3 jours par semaine au travail, puis la tente vide, là, tu sais. OK, oui. Fait que tous les saisonniers, c'est pour ça qu'ils se sont installés, beaucoup, des installations plus, mettons, avec des plateformes, mm-hmm. puis des eaux vent, puis des choses comme ça, là. Ils sont installés plus à l'intérieur de l'île. Dès qu'on rentre, là, on dirait que la pression tombe. Ouais. Puis si tu veux t'exciter, tu peux t'exciter. Des fois, on fait des soirées de danse, ça danse jusqu'à 3 heures du matin, là, puis on a du fun au fond. Priscilla me disait justement qu'elle avait beaucoup de talent en danse. Oui, je crois que tu m'as dit ça. Ça a 2 significations, l'île du repos. Soit que tu viens ici puis tu te reposes beaucoup, ou soit que tu viens ici puis tu as besoin de repos une fois que tu pars d'ici. C'est ça qu'on appelle la plage des enfants ici. OK. Là c'est plus chaud? Oui, l'eau est plus chaude un petit peu, là. Bien, ça dépend. L'eau est froide parce que le courant passe, puis là-bas est plus chaud. Okay. Bien, quand la rivière monte, le courant rentre entre les deux, fait que l'eau refroidit. Okay. Quand la rivière baisse, ça devient assez chaud. Hey, c'est ça que j'allais demander. T'es tentant, hein? Ah, moi, je vais y aller. On y va. On y va avant souper, puis après, je vais prendre une douche chaude. Donc, première baignade de la semaine. Il y a Fris qui m'entend déjà. Salut! Moi, je reste au chaud d'abord. Oui, es-tu froide? Oui, froide. Très froide? Ah, elle fait mal. OK. Sauve-toi, pas. Ouh là là! On a terminé notre journée bien remplie avec un bon souper, une bonne coupe de vin et de la bonne compagnie au restaurant de l'auberge. L'île du repos va rester sans aucun doute un incontournable pour nous tous dans notre prochaine virée autour du lac. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.